force du relooking. New Fashion vous offre des packages. Coiffeur mixte, homme, 6 en 1 à partir de 1000 francs. Femme, 3 en 1 à partir de 1500. Massage, soins de visage, manicure, pédicure, parfumerie et relooking. Après 3 prestations, la carte de fidélité vous offre la 4e gratuite. New Fashion, c'est aussi son salon d'été et son centre de formation accéléré. New Fashion, situé à Dorbon, Carrefour, Socavert. Info Line, 675 92 28 02, 657 36 19 46. New Fashion, l'univers de la beauté. Hygiénix Maternité a été pensée, étudiée et spécialement conçue pour répondre efficacement aux exigences des femmes au flux très 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 abondant. Hygiénix Maternité est une serviette ultra mince, ultra douce et extra large à base d'aloe vera. Hygiénix Maternité est indiqué pour les femmes nouvellement mères, conçue spécialement pour vous apporter jusqu'à 100% de protection et une liberté totale de mouvement pendant votre sommeil. Hygiénix Maternité, 0% de fuite. Hygiénix, la solution pour votre bien-être. Dans la vie, je me dois de réussir professionnellement, athlétiquement, en privé. Une chose qui m'aide toujours à atteindre mes objectifs, c'est Power Malt. Power Malt libère le pouvoir qui est en moi. Univers Auto, c'est le grand spécialiste des pièces détachées, 100% d'origine pour votre camion. Radiateur, pompe à essence, moteur, injecteur et de multiples autres pièces garanties d'origine. Univers Auto, c'est désormais votre point de repère pour vos véhicules poids lourds de marque Mercedes, Renault Truck, Jack, Iveco et toute autre marque. Univers Auto est situé en Gaudi, à côté de la pharmacie Sapeur. Contact 694 91 93 62 675 69 70 42. Univers Auto, la référence des pièces d'origine pour camions. Bon, vous voulez qui? Vous voulez qui? Moussique. Ok. Vous voulez moustique? Non, parce que si je vous donne moustique, vous ne demandez plus que après moustique, vous sortez, non? Hein? Criticos. Bon, attendez. Je vous cite. Marc Tamsi. Darrel Sako. Moustique. Criticos. Professeur Ndiasso. Bon, attendez. Oh, on a dit Moussi, on n'a pas dit un rappeur. Attends d'abord. Il y a des gens de voir que les gars blaguent avec ici au casio, il y a un nom. Par rapport, comme Tento, là, il est en train de gérer ses voix dehors. Il y a Dynastie de Sigre qui est dehors. Il y a Major Assez qui est dehors. Avant que le charisme s'installe, regardez la magie qui va se passer. Fresh style, le temps que met les lumières. Fresh style! Venez les petits. Je change ma dernière valise, c'est le feu qu'on voulait voir. Fire. Si. Moi, je respecte vos femmes. Femme, respectez vos maris. Fresh style là pour mettre le show. Parce que le mariage, c'est sacré. J'habite dans un quartier, y'a un nouveau pot qui vient tout juste aménager. Famille, beaucoup d'enfants, mari, beaucoup de femmes. Et on tantine à le mal, d'abord parce qu'elle a des vannes. De l'info du mari inconscient, elle a donc décidé de pourrir sa vie. Elle a donc décidé de le fuir. Désormais c'est la haine, tous les jours les problèmes, et c'est surtout.
soit les problèmes. Et moi ça me rend triste. La femme ne veut pas laisser. Elle est toujours endettée. C'est la star du quartier. Le mari toujours blessé. Elle venait de s'être mariée. Et les enfants d'être nés. La famille de s'être formée. Les problèmes ont tout gâché. Respectez vos femmes. Oh, oh, oh. Femmes, respectez vos maris. Oh, oh, oh. Je tiens là pour mes deux choses. Toi, tu es Kamga, le comédien. Tu as gagné beaucoup les prix en Côte d'Ivoire. Où sont les deux là? Donc, c'est qui chope ça. Hein? Donc, tu as barré la mère des enfants. Des artistes. Tu n'as pas honte. Tu laisses la mère trois enfants. Elle te supporte. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu tiens les prix. Maintenant, tu parles en pensée l'anaconda. Tu ne parles pas. Hein? Je connais la souffrance qu'il a fait avec Mélanie. Arrête ça. Mélanie est où? Donc il t'a dit qu'il n'a pas les enfants. Toi, toi, avec Mélanie, elle est bangou. Hey, Kanga. Non, mais j'aime pas dire que vous êtes marié, c'est la mère de tes trois enfants. Donc c'était la fille de la souffrance. Pas la fille de la lutte. Les artistes. Toi, as compris, non? L'émission se finit tout là, tu veux plus te voir. Elle n'a pas une cousine. Hey. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vous rappelle, la plus belle surprise de la soirée vient d'arriver. C'est un artiste que tout le monde attendait sur lui à Gogo. Il avait une tournée américaine. Il a terminé avec sa tournée. Il est au Cameroun parce qu'il organise son mariage. Il se marie le 9 juin. On n'a pas besoin de connaître l'endroit, ma chérie. C'est un mariage que ne peut venir là-bas que celui qui pèse le milliard. Donc, les gens comme vous là, vous savez peut-être, vous allez regarder à la télé. Il est là. Il chante bien. Et les femmes l'adorent. Quand on dit, mesdames et messieurs, voici Fally Ipupa. Vous applaudissez, non? N'est-ce pas? Quand on dit, voici Petit Pays. Ça ne donne pas. Voici Ténor. Oh. Voici Malox. On va voir.
Vous êtes calme? Hein? Vous êtes calme? Voici Stanley! Stanley, non? Pète, pète. Voici ma soeur! C'est moi! Néan. Je suis très content. Vous savez pourquoi je suis content? Parce que Ria Gogo, aujourd'hui, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui s'est dit au quartier. Si je vous présente le garçon qui est resté, pensé, écrit, financé, ce que vous voyez là, vous n'allez pas croire. Hein? Je vous jure, il est trop petit. Ce gars, il est bourré. Donc c'est Dieu. Il s'appelle Enguerrand Towa. Towa. T-O-W-A Towa. Towa. Applaudissez pour lui. Vraiment. Bon, on ne peut pas avoir la présence du meilleur dentiste du Cameroun dans la salle et on ne distribue pas quelques bons pour permettre aux Camerounais de se faire traiter un peu la dentition, la mâchoire. Parce que je suis désolé, je ne vais plus me déplacer, je vais rester sur le podium et les personnes qui auront besoin viendront chercher sur le podium. J'ai besoin de cette personne, rapidement. Dès que vous venez, vous prenez, vous partez. Je ne me bouscule pas. Molo, molo. On ne court pas. Voilà. Une personne. Deux. Je dis sec. Vous êtes à 12. Tu dis merde à qui? Hein? Je dis sec. Ah, vous venez d'arriver, vous dites le premier. Voilà le premier. Bon, donnez-moi colo, colo. Colo, colo. Ouvrez les mains. Vous avez deux, monsieur. Oh, monsieur. Ah, ma soeur, quelqu'un qui a la dame, là. Ma chérie. Oh, ne m'agressez pas. Qui a pété? Non, non, quelqu'un a pété, pas mieux. Mettez-vous à distance. Tu as quel problème? Monte-toi. Ta dent est crevée. Ta dent est crevée. C'est devenu la roue. Venez. Entendez-vous? Descendez. Si c'est la fosse, on a les gros bras. Allez, go down. Docteur Fouena, merci. Docteur Fouena, il est situé juste en face du Palais d'Ika. Clinique Fouena, dentiste opère. Voilà, tous sont les médecins, ils aident à gogo. Voilà, on a le docteur Jomo qu'on ne présente plus, le Dieu, c'est Dieu, Dieu. Parce qu'il a seulement une spécialité, pour lui c'est les dents, pour toi il y a beaucoup. Les yeux, les oreilles, les cocorico, les ventres, tout. Pour toi c'est seulement les dents. Donc s'il n'y a pas les dents pour lui, tu es au chômage. Alors que lui, si le ventre fait mal, le pied va faire. Il prend. Tu es fort. Donc tu es généraliste. Il est. Non, ça va. Il est spécialiste. N'est-ce pas? C'était bon? Voilà. Et j'ai oublié, je vais saluer la présence du garçon. Il y a un Camerounais dans cette salle qui vit à Dubaï. Je vous dis, il vit à Dubaï. Il organise des spectacles à Dubaï. C'est lui qui fait venir les artistes à Dubaï. Et le premier artiste qu'il fait venir à Dubaï, c'est un humoriste, c'était Fingon Tralala. Est-ce qu'on peut applaudir pour Eddie Boucan qui est dans la salle? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Eddie Boucan, voilà. Merci, tu es venu en retard, tu es au fond. Alors que tu devais t'asseoir, viens, Eddie Boucan, viens. Applaudissez pour lui. Franchement, hein, c'est pas le pépé. Ce gars, quand tu aimes le... Je négocie comme ça ma part, hein. Tu me fais venir à Dubaï, je rentre plus. Je quitte Dubaï, c'est consommant direct. Tu es venu seul? Avec Aimé Dollar. Faites venir Aimé Dollar. Elles sont pas petites. Aimé Dollar, viens. Ah, mon cap. Ils ont l'argent.
Vous croyez qu'on transmet comme ça pour vous dans là? Oh, viens! On l'appelle le prince Bamoun. Oh, tu me fermes tes pètes bouches là. Oh, Ndolan Jassem, régisseur de Ria Gogo, tu fais quoi là? C'est toi qui arranges et tu gardes. Appréciez pour ces messieurs. Voilà. C'est des garçons, quand ils aiment des artistes, ils aiment en vrai. C'est pas les pètes sous le dos. Sous le dos. Il veut pas 500, monsieur. C'est quoi ça? Donne 2. Guido. Donne les dollars. On va changer. 100 dollars. Donne. Donne 200. Je suis un enfant. Ah, tout mon argent. Elle ne vit pas à Dubaï. Elles sont en Ndougouti. Ndougouti. Wesh. La seule personne ici qui vit à Dubaï, c'est Dr. Ndjomo. Mon argent. Fais vite. Avant qu'il change d'avis. Guido. Bon argent. Où tu veux que t'envoies à Niala? Guido. Les artistes sont pointés, je n'ai pas pointé. Je peux blaguer comme ça à la fin de la soirée. Je rentre. Il vient à Dubaï. Il a la clinique là-bas. À Dubaï, ce n'est pas clinique le suivi, c'est le clinique de la clinique. Tu n'es pas à Dubaï. Quelqu'un qui vit à Dubaï ne peut pas faire ça. Hein? La vraie personne ici qui vit à Dubaï. Vrai. Ouais, hein? Regardez, hein? Au nom. Hein? Montez ta chaussure. Hein? La vraie personne qui vit à Dubaï ici, c'est Joël Kouété. Tu vis à Dubaï? Viens. Viens. Une heure auto. Tu fais quoi? Ça va, laisse. Bon. Il est à Dubaï. Je viens. Je te ramasse après. Viens. Est-ce que tu es un enfant? La pièce, une pièce de camion chez toi, c'est 18 millions. Hein? Tu es encore dans les 15 ans de carrière. Oui, non. Ne fais pas ça, Joe. Car. Viens en cause. Donne-moi un parasol Power Mart. Faites vite. Donne-moi un parasol Power Mart, rapidement. Ça va rester avec. Donnez-moi 15 parasols. 18 parasols. Voilà. Même toi, tu n'es pas à Dubaï. Oh, laisse arrêter de péter là. Même toi, tu n'es pas à Dubaï. Toi, en Ndougouti. La seule personne qui est à Dubaï ici dedans. C'est le docteur Fouillan. Tu es à Dubaï. Tu es à Dubaï. Viens ici. Dubaï, c'est ici. Oh, Angela, prépare-toi. Même toi, tu es à Dubaï. Docteur Fouillan, Amouf, il a 18 cliniques à Dubaï. Je ne veux pas voir 500 ici. Il n'y a pas le péage à Dubaï. Bah, il te connaît. Montre à distance. Le docteur Fouillan, viens. Je ne peux pas organiser ma chose. Je mets dans mon film. Quand Dynastie chantait ici, j'avais peur. J'ai dit, hein, comment tous tes billets sont vieux comme ça? C'est quoi ça? Grand, prends. Le respect est mutuel, prends. Prends ça. Il est confisqué. Faut respecter les gens. Hein? Bon, quel artiste se passe maintenant? Ah, vous vous battre. C'est maintenant. Ah, vous voulez plus jouer? Ils disent qu'ils ne jouent plus, que j'ai tout pris. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous vous amusez, j'envoie un Kalagang ici. Hein? Bon, ok, on va revenir sur cette rubrique tout à l'heure. Maintenant, on va faire monter la pression avec le numéro 1 de l'humour. Selon moi, depuis que Ria Gogo existe, ce gars, il me bat toujours. Il est toujours chaud. Quand on dit Ria Gogo, le gars prend toujours l'avion pour venir.
Je me mets au Cameroun et prends l'avion pour aller à Bétoin. C'est le bus. Non, j'ai dit l'avion. Je ne peux pas être à Douala, on dit Jacob, Yaoundé, il prend l'avion. De quoi? Pourquoi? C'est le bus. C'est le bus. Donc il prend l'avion. Hein? Donc vous avez trop les dons. Ceux qui ont les dons, on est à l'aéroport. Pauvre. Il prend le bus. Et c'est ma vieille bien. Autostop. Je suis dedans. Quand tu prends l'avion, tu arrives, j'arrive. Tapioca, c'est son nom. J'ai un gros souci, c'est que si c'était un artiste qu'on introduisait tout à l'heure, les ambulances allaient porter les cadavres, mais comme c'est moi, vous faites seulement bon, on va recommencer ça à zéro, mais cette fois-ci, je vais plutôt introduire un artiste musicien, parce qu'il est inadmissible que nous, les humoristes, on vient, on m'accueille pas comme il se doit. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'entrée du Rabarabi grand maître Petit Pays. Motibo Omega. Alléluia. Alléluia. Je suis le grand maître Rabarabi Petit Pays Adonai. Applaudissez très fort pour moi s'il vous plaît. Ah. Si vous voulez que je chante, applaudissez très fort. Non, ça n'en donne pas. Ça veut dire que mon Petit Pays ne vous a pas convaincu. Bon, on introduit un autre, Jean-Pierre, et son main sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Le ribassement international, la ceinture au-dessus de la classe. Je suis Jean-Pierre et son main. Le sang de Jésus a coulé, mais il demeure éternel. Si c'est bon, on applaudit très fort pour moi, s'il vous plaît. Olongi taba matiba o babemo, eh, okumama chaka olongo taba mapapo o babemo, eh. Ah. Et il y a un autre qui nous a eu. L'autre là, il est venu en concert au Cameroun. Partout où il se produit, il a toujours les verres sur lui, on ne sait pas pourquoi. Il est monté sur le podium à minuit, mais il avait les lunettes. On a dit ses lunettes de soleil, il a compris ça. Quand il est arrivé, toutes les filles étaient carrément sous sa dictature. Quand on introduit, voici pour vous, Maître Guy. Yaoundé, est-ce que ça va? J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mène le sujet du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. Si c'est bon, applaudissez très fort. Comme ça, tous les artistes disent oh mon Dieu! Non, et à les artistes en herbe, s'il vous plaît, je vais m'adresser aux communicateurs, aux DJ. Dites souvent la vérité à vos artistes en herbe qui chantent n'importe quoi. Oui, parce que quand un artiste sort son titre, il vous donne deux bières. Vous l'avez à la peau. Oh gars, c'est la magie! C'est le tube, ça va cartonner, pourtant, il chante n'importe quoi. On a mis un ami comme ça dans les pièges. Lui dans sa tête, après Arafat, c'était lui. Il est parti dans un snack. Il dit que, gars, c'est moi, gars. Va, mon CD, jouer. Il a choqué le DJ. Il est parti s'asseoir. Le DJ prend le micro, vous connaissez les DJ des snacks. L'artiste est là lui-même dans la salle. On va lui faire plaisir avec sa musique. Quand on a mis la musique, tous ceux qui dansaient se sont assis d'abord. Et vous savez, dans un bar, il y a toujours un délinquant que quand il boit un peu de trop, lui, il bavarde beaucoup. Et lui qui se fait, il dit, DJ. Mon frère, c'est quoi les bruits que tu nous mets comme ça, non? On était en train de danser, toi tu nous mets quel grillon comme ça? C'est là où mon ami lui m'était crispé dans sa posture. Le DJ, ferme ta bouche. Mais alors, c'est pour faire plaisir à l'artiste. Lui-même, il est dans la salle. Il va lever la main pour qu'on le salue. Il dit non, 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 non. On l'avait à détecter dans la salle. Le soula là vient dans le voir et dit que, petit frère, c'est toi qui chante ça. Répondre mon ami là, c'était tu. Il dit toi-même, si on t'invite dans un bar,
tu achètes ta bière, tu bois, on met la qualité de musique si tu vas boire. Tu faisais quoi avant dans ta vie? Il dit que j'étais commerçant de chaussures, il dit reste dans ça, c'est ça qui te convient. Dites la vérité. Non, famille, on dit que l'économie du Cameroun repose sur l'agriculture. Moi, j'ai dit non. Désormais, l'économie du Cameroun va reposer sur la culture. Pourquoi? Parce que là-bas, l'agriculture, c'est eux qui décident des prix du cacao et du café. Or, dans l'humour, c'est nous qui décidons de nos cachets qu'on nous paye, man. J'ai mal parlé? Pas. Ce qui est énervant également avec les artistes, musiciens et footballeurs et bien d'autres, c'est que chaque fois que je regarde l'interview à la télé, je n'ai jamais vu un footballeur qui a dit « Mes parents étaient toujours d'accord que je joue au football. Mes parents étaient toujours d'accord. » C'est toujours que mes parents refusaient toujours. Ils voulaient que je sois docteur ou quoi là. Mon père m'a amené ça au collège. Je me dis « Tapioca, il faut que tu sois médecin ou avocat. » Il dit « Tu es fou. Toi-même, t'as laissé en route. C'est sur moi que tu veux mettre ça. » Il fallait toi mettre ta avocat là. Tu arrêtes au coup moyen de tout comment il continue pour aller me foutre. C'est quoi? Hein? Après, c'est quand même très fort pour les artistes camerounais. Oui, c'est très important. Mais avant de partir, permettez que je fasse une fleur aux filles de Douala. Les filles de Douala, c'est très fort pour vous. Moi, je dis que ne drague jamais une fille à Douala. Les filles à Douala, c'est tu n'as pas l'argent, tu le laisses. Hein? Ce n'est pas les choses qu'on raconte là. Oui, si vous voyez une belle fille à Douala causer avec un gars qui est fauché, c'est qu'elle demande un renseignement. C'est qu'elle ne l'aime pas. Oui, parce que nous, ici à Douala, il y a des gars qui ont le cœur, ils viennent draguer, ils ont les mots doux. Quelqu'un vient là, il te fait la pose, il dit, je ne suis pas géographe, mais je connais ta position dans mon cœur. Je ne suis pas mathématicien, mais je connais combien tu comptes pour moi. La fille dit que je ne suis pas voyant, mais tu es foiré qui derrière moi. C'est pourquoi désormais, je dis que je ne cherche moi plus les filles de Douala. Maintenant, elle veut partir chercher moi les blanches. Vous savez pourquoi? Bon, excusez-moi les filles. Ce que je veux dire tout à l'heure là, quand elle veut draguer une fille, après elle ne va plus m'accepter. Non, franchement, les filles de Douala, c'est la photocopie carrément des blanches. Moi, je préfère les blanches. Parce qu'elles ont les cheveux des blanches. Les Brésiliens, les Indiens, c'est les cheveux des blancs. Elles ont les ongles des blancs, les cils des blanches. Le teint même désormais, c'est quitté de noir à jaune. Donc, c'est pour les blanches. Moi, au lieu de m'encombrer, prendre la contrefaçon, bête à moi, elle m'avait pris l'original, moi. J'ai mal parlé? Oui, je m'en vais en beng, prendre les bluffs, les nyang-nyang. Mais beng, moi, je fais un beng. Celui qui n'a pas fait un beng, c'est son problème. Mais nous, on a les mauvais comportements en beng, je vous assure. J'ai été rapatrié parce que je me suis mal comporté. Vous voyez, quand on arrive en France, la première chose que l'on veut voir, c'est la tour Eiffel. C'est beau à voir. Je suis arrivé à côté de la tour Eiffel, j'ai eu envie d'uriner. Voilà ce qui me renvoie au pays. Hein. Je regarde à gauche, il n'y a pas les buissons. À droite, il n'y a pas les vieilles voitures comme au Cameroun. J'ai dit que, ah, je m'en fous. Il y avait les petites fleurs pour embellir. Je suis parti pour pisser là-bas. Un blanc vient, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je dis que, mais quand tu viens au Cameroun, tu ne pisses pas souvent, mon frère. Moi, je suis en train de pisser. Non, non, non. On farote ici. Coupez ça dans le montage. Faut pas dire que je suis venu. Il dit que quand tu viens au Cameroun, tu ne pisses pas. Moi aussi, je veux pisser. Il me dit, mais monsieur, on ne pisse pas là. C'est un espace vert. Il dit, non, mon frère. Laisse, ça va. Il dit que non. Écoutez, je vais vous amener dans un endroit. Vous allez vous mettre à l'aise sans problème. Je dis, ah, il fallait me dire ça depuis. On part. Quand on arrive, il me montre un endroit. Il y a également les fleurs là-bas, un beau mur et tout ça. Il dit, pisser ici. Il dit, ici. Il me dit, oui. Ah, sans problème. J'ai sorti mon truc. J'ai dit, je vais laisser les souvenirs en France avant de rentrer. J'ai pissé en zigzag comme ça là. Quand elle finit, j'ai dit, ben, je vois souvent vous mettez les contraventions aux gens n'importe comment ici quand on pisse, mais pourquoi vous ne me mettez pas une contravention? Il dit, c'est parce que vous avez pissé sur le mur de l'ambassade du Cameroun en France, c'est chez vous ici. Demain, venez pisser encore si vous voulez, ok? Les employés qui travaillent là-bas sont sortis comme mon frère, toi aussi. J'ai dit, gars, c'est le Cameroun, on va faire comment? Hé, hey, attendez, je prends le phare au tâche, mais le truc, l'émission, c'est le tout, c'est bien. Il y a les artistes qui viennent, il y a l'autre qui chante, s'il te plaît, ma soeur, n'avorte pas. Mais je veux dire à l'artiste là, regarde, à cause de lui, il y a beaucoup l'embouteillage en Dokoti. Oh, si les filles travaillent comme elles travaillent avant, c'est qu'il n'y a pas l'embouteillage. C'est que même lui, la gros ne remplit pas comme ça. N'avorte pas. Ah, avant quand tu bombardais, pam, elle venait te voir, 10 colos, pour voir docteur derrière, il enlève. Maintenant, elle a dit que non, on ne sait jamais. Tu me fais comme ça, c'est Samuel Eto'o. Moi, il y a accouché, il y a 5 ans, pas Samuel Eto'o sur ça, pourquoi? Mon premier fils, on est devenu quelqu'un de bien, il est devenu un délinquant.
on arrive dans un nouveau quartier, tout le monde nous respecte, il est parti voler la télévision du voisin. Pendant que je suis en train de le fond n'est pas bien, tu ressembles à qui dit, hey, pardon, j'ai oublié la télécommande. Bon, pour finir, je vais vous dire merci pour cette autre édition, mais je vous donne quelques deux ou trois communiqués. Communiquez ! Communiquez ! Madame Rimbamba Malus, deux cheveux, annonce la disparition de son sac bandioc dans un taxi dont elle ignore la plaque d'immatriculation. Ce taxi contenait ses deux bâtons de manioc et ses deux avocats. Selon ses descriptions, les deux avocats étaient à moitié pourris et les avocats à moitié les bâtons de manioc à moitié rassis. Elle prie par ailleurs toute personne qui retrouverait ce sac de le conduire à Radio Congossa contre forte engueulade. Communiqué. Oui. Mademoiselle Enyege Abina, prostituée à la Elf, annonce à sa vidée clientèle qu'elle était affectée de l'autre côté des mini-fermes à Yaoundé. Elle prie par ailleurs tous ses fidèles clients et abonnés pour venir célébrer sa promotion avec une baisse considérable sur les prix. Prix promotionnel, un coût 350 pour les fidèles clients, 3 à 1000 francs pour les abonnés et les ristournes accordées aux réguliers. Communiqué. Santé. Si votre enfant souffre de diarrhée, collez-lui le sparadrap sur les fesses. Si ça persiste, donnez-lui deux cadeaux Kumba consommés à sec, il va consommer et ça va le constiper. J'ai mal parlé. S'il a les palus, donnez-lui deux comprimés à la tachop dans le matin, à midi et le soir, il ne va pas pouvoir boire car il sera devant Dieu pour confesser ses péchés. J'ai mal parlé. Communiquez. Voilà, avis de décès sur les boissons. Monsieur Beaufort, professeur agrégé de la Guinness, douanier de la famille Champagne à l'université du whisky, a le regret d'annoncer à ses amis connaissant Castel Guinness et Ordinaire la mort de mademoiselle la Grenadine, secrétaire chancelière du Johnny Walter, survenue à l'hôpital de Kiravide suite à une longue opération par monsieur le docteur Castillo de Léria. Son corps se trouve à la porte 39, son enterrement aura lieu à Slavia le vendredi 20 rouge 1933 Espoir, au cimetière du Jovajo, du département du Rafia, de l'arrondissement du Coca-Cola et du district de Matango, dont la famille du ventre est priée d'attendre le corps sur place. Merci. Merci. C'est le Didi. Qui veut gagner le parapluie? Hein? Personne? Ne vous vantez pas comme ça, je donne à une fille, vous fâchez. Qui veut le parapluie? C'est la saison pluvieuse. Ce parapluie est sans pied, new fashion. Institut de beauté, new fashion. Donc ce n'est qu'un con qui pleut. Hein? Prends. Tu es un con. Avec ta chevelure comme pour les gars qui dorment sur le tunnel de Ndokoti. New fashion. Bon. Oui. J'ai loué. Pas loué pour toi. C'est pour ça qu'il dit que les pingouins comme ça, ils peuvent même s'aimer les mains derrière. Il faut juger la valeur des gens pour les mettre devant. Quelqu'un, une grande émission, tu viens avec la culotte, tu dépasses les gens qui sont sur le podium ici. Avec un démembré, ta sueur va gâter les chaises là. C'est le quoi ça? Tout bas, toi, payer 3 000 ou 5 000. Le pays, c'est terrible. Hein? Si tu étais à l'entrée, on te remboursait. Hein? Sérieux? Il faut respecter les gens. Tu as su, tu es entouré de personnalités. Tu prends la bille où c'est la serpillère, tu mets sur toi. Chlon. On fait monter ses grosses dents. Malade. J'attaque comme ça, je compte que sur vous. Hein. Tu te lèves là, tu vas voir. Derrière toi, il y a maître de car. Maître! Tu ne peux rien. Il faut respecter les émissions. Hein. Tu viens avec la culotte de sur la serpillère. Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir Dubois, l'international Dubois. Bonsoir. Dans la Bessie, bonsoir. Bonsoir. Waouh. Nous, on a évolué. Hein? Maintenant, on paye 5 colos pour venir voir les noirs garçons comme nous.
Non, c'est bien, j'aime le métier-ci. Parce que quand tu dis la vérité, les gars croient que tu blagues. Par exemple, quand je dis qu'on a doté ma mère avec les fruits noirs, les gars croient que je blague. Est-ce que je ne suis pas noir? Mais, c'est même que quand je reste souvent, je regarde mes frères humoristes là. Par exemple, comme Moussa Jean Karagan. Le gars là, il est comme le pouce neuf. Sérieux, si on me dit qu'on a doté sa mère avec quoi, je vais dire qu'avec le Nkoutak, hein. Tout ça. Bon, par exemple, Patson. Patson, le genre que le gars est d'abord bizarre, bizarre là. La tête avec les bosses partout là. Si on me demande qu'on a doté sa main avec quoi, non, je dis le corosol là, hein, parce qu'il y a trop les. Hein? Bon, attendez, soyez honnêtes. Non, pour Yacob. Quand vous-même vous regardez Yacob, vous sentez que c'est la dernière génération de ceux qui ont chanté. Yeah, 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 yeah. Bon, c'est parce qu'on est procréé avec Mbamileke, c'est ça. Dois la baisser à ce, ça va. Oh là là. Quand je regarde dans la salle, je vois les femmes, je vois les hommes, je vois les enfants, je vois même. Ah, mon ancien dossier. Bonsoir, chérie. L'autre jour, hier, j'ai rêvé de toi. Hein? Toi aussi. Mais moi, j'ai rêvé que toi, tu es tombé au puits. Toi, tu as rêvé quoi? Ah, on ne peut pas rêver la même chose. Eh, tu vois. Hey! J'ai encore vu l'autre ancien dossier. Bonsoir, chérie. Comment il te salue, tu regardes de l'autre côté, non? Hier, j'ai aussi rêvé de toi, hein? Non, c'était pas le même rêve, laisse. J'ai rêvé qu'on était à Kribi, on était à la plage. Donc l'eau venait comme ça, ça tapait sur toi, tu étais couché dans l'eau comme ça. J'ai alors mis ma main pour caresser un peu ton ventre, tu m'as demandé, Jimmy, je me suis réveillé. Non, si une femme te demande, Jimmy, dans les rêves, combien de fois dehors? Ouais, c'est vrai, c'est pas les blagues. Mais quand je vous regarde, quand je vous regarde, quand je regarde la salle, je vois l'amour. C'est pourquoi mon sketch aujourd'hui, je vais faire sur le mariage. Le mariage, c'est bien. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste différent. Non, sérieux, au début du mariage, tu entends. Mon doudou, mais oui, ma doudou, comment tu as passé la nuit? Mais chérie, tu sais, quand je dors auprès de toi, je dors le plus beau sommeil de ma vie. Mouais, mouais, mouais. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Mon doudou, mon nom c'est Dubois, appelle-moi comme ça. Non, je voulais juste savoir si tu as bien passé la nuit. Donc la manière que tu ronfles là, tu crois que moi je dors? Tu es seulement là, tout d'un. Tu dors, hein? Le mariage, c'est 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste. Au début du mariage, quand le gars rentre, mon bébé, tu es rentré? Mais chérie, je pouvais plus faire une minute de plus au boulot. Mais sinon, comment était ta journée? Oh, chérie, j'ai tellement pensé à toi que j'allais faire cadeau à quelqu'un à 10 000 comme ça. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste. Dès que tu arrives, mon bébé, tu es rentré. Je suis encore au travail. Tu me vois, tu me demandes si je suis encore rentré. Je voulais juste, après l'engage directement, je voulais juste savoir comment était ta journée. Ma journée était comme ça. Ma chance. Attends, je fais tous mes problèmes dans ce pays. Le mariage, c'est... 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste. Même au début du mariage, tu entends seulement. Mon chéri, comment tu me trouves toute nuit? Mais mon bébé, tu ressembles à Lady Ponce. Tu es ma Lady Gaga, je t'adore. Mais chéri, je voulais savoir comment. Qu'est-ce que tu en penses de mon nouveau slip que j'ai mis sur le lit pour toi?
Oh mon bébé, je n'ai jamais su que tu avais encore ce genre de string à la maison. C'est un string coupe gauche. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Chérie, comment tu me trouves toute nue? Je trouve que tu as les abdos sur les fesses. Après, alors, quand tu entends seulement un langage directement. Mais chérie, comment tu as trouvé mon nouveau string que je laissais sur le lit pour toi? Je dis, hein, ce que j'ai confondu avec l'été d'oreiller, là, c'est ton caleçon. Tu es venu chez moi sécher les maïs. Le mariage, c'est 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Quand tu arrives à la maison, chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh mon bébé, quelle surprise encore. Mais chérie, je voulais te dire que je t'aime. Oh, mon bébé, moi aussi, je t'aime. Mouin, mouin, mouin. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Chérie, j'ai une surprise pour toi. Tu as ramassé l'argent. Ah, si tu n'as pas ramassé l'argent, ne parle pas, hein. Non, mon bébé, je voulais juste te dire que je t'aime. Prends ça, demain tu malaxes la banane, malaxes avec un manche. Le mariage, c'est... 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Au début du mariage, c'est... S'il te plaît, mon bébé, tu peux me faire un poème? Tu entends le poème sort. La première fois que je t'ai vu dans mon jardin carré, ton affection est devenue isométrique à la mienne. Pour moi, tu es le sinus de l'angle aigu de mon cœur. Tu es l'hypoténuse du côté adjacent de mes pensées. En vérité, pour tout te dire, je pense à toi chaque jour comme au théorème de Pythagore. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Chérie, s'il te plaît, fais-moi un poème. Pour la première fois que mes yeux ont croisé ta part, mes problèmes ont commencé. Dès que tu as remué ton derrière politique, mes poches s'ouvrent. Pour moi, tu es la source de tous les problèmes que j'ai dans ce pays. Et laisse-moi te dire, en vérité, tant que tu vivras, je suis sûr que je ne peux pas acheter le terrain à Douala. Le mariage, c'est 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Enfin alors, au début du mariage, même les prières sont jolies. Seigneur, mon mari est sorti, protège-le. Qu'il rentre avec 300 000 chaque jour au nom puissant de Jésus. Que même si c'est le pouce, même si c'est la boîte qui passe à côté de son pied, tu enlèves ça au nom puissant de Jésus. 5 ans après, ça n'a pas changé, c'est juste... Seigneur, le type là cherche trop les femmes, veut qu'on lui chasse du travail. S'il marche en roue, qu'il moto son salut, qu'on gagne, bim! Seigneur, qui ne meurt pas, que ça casse que le pied, veut voir si la femme là va venir. Excusez-moi, si nous étions en Irak, on devait m'appeler comment? On devait m'appeler l'âme de divertissement massif Dubois. Merci. Son été, arrête ça. On a un blanc qui est Didier au Cameroun. Voilà ce que vous cherchez sur les nec. Le blanc pour le visa. Il est là pour manipuler les appareils. 45 000 le mois. Le blanc de Yenga 4. En avant-première. Dans 3 ans. Voilà les blancs. Les filles qui passent le temps que je cherche les blancs. Voilà ça. Quand tu as les gens, c'est toi qui paies encore son transport. Le blanc de Yenga 4. En avant-première. Douala Bessi. Elles sont pas applaudies pour Dubois. Tout ce que les humoristes racontent, c'est ce que nous vivons au quotidien. Hein? N'est-ce pas? Hein? Ce qu'il a dit, c'est vrai.
Quand tu épouses une fille en décembre, en janvier, elle change. Elle change en vrai. Moi encore, avec les mariages, hein? Je me bats. Le jour que j'ai deux pieds, tête de cochon, tu t'assois dans un snack, tu entends. Tchou. Toi aussi, tu fais comme ça. Allez! Feu! Boum! Le matin, ni vu, ni connu. Même le numéro, le prénom, je ne connais pas. Ça veut dire qu'on ne va jamais te poser un problème que j'ai l'anniversaire de ma copine, tu m'achètes pas la chaussure. Hé, hey, mouf! Zéro! J'ai mal parlé. Si vous voulez être responsable, soyez. La vie de chacun l'engage. J'ai choisi le dehors. Laissez-moi gérer mon dehors. Quand ça m'est plus, c'est une heure. En bon attendant, allez faire. Je vais me marier. Nous, on a essayé le mariage. Hein? On voulait être responsable. Ça nous a mis où? Mariez-vous. Tu t'es marié à 70 kilos, la femme a 30. Deux semaines après, c'est toi qui as 30, elle a 70. Oui, mariez-vous. Vous avez déjà vu un gars qui vient se marier, son frère est venu habiter chez lui. C'est toujours les soeurs de sa femme qui viennent. Et à la fin du mois, la location, il paye, c'est lui. Il m'est venu. Mon gars, ça va, Canada. C'est mon gars qui réalise un jambo, jambo. Jacob, c'est mon gars, non? L'homme de tu souffle sur le podium. Jacob, Jacob. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on va applaudir pour le rire? C'est important de rire. Hein? Voilà, j'aime ça. J'aime quand vous riez comme ça, je suis content. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre la soirée avec... vous savez, un événement ne peut pas exister si les annonceurs ne se proposent pas. Voilà, on va remercier les annonceurs et on va faire venir maintenant l'annonceur majeur. Voici Power Malt. Est-ce qu'on peut applaudir pour Power Malt? S'il vous plaît, j'ai des parasols, j'ai les ballons de basket, de foot, j'ai des t-shirts et j'ai beaucoup de Power Malt. Est-ce qu'on peut applaudir pour Power Malt? Applaudissons, les lots viennent. Voilà, Didier Terra qui assure la logistique ce soir. Le principe c'est le même. On a les t-shirts 100% coton, casquette estampillée Power Malt, ballon de basket, parasol et parapluie. C'est quoi la différence entre le parasol et le parapluie? J'aimerais bien connaître. Hein? Ah, parasol c'est pour les gens du Colbox. Et parapluie? Ce gars, on sent que ton enfance c'était très difficile. Et dit que parasol c'est pour les gens du Colbox, parapluie c'est pour les bandes. Ce gars, il n'est pas bien. Hein? Il n'est pas bien. Salvador, mon ami Salvador, il est où? Marc Tamsi, Salvador, il est où? Power Malt! On applaudit Power Malt. Elle marche comme le cheval. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que Power Malt offre à ses fidèles consommateurs ce soir? Bonsoir et bienvenue à tous. Afin de continuer dans les moments de riz, permettez-moi de vous présenter la boisson phare partenaire de l'événement qui est la boisson Power Malt. Power Malt est une boisson maltée 100% halal. Elle est brassée au Danemark et est exportée dans plus de 80 pays dans le monde entier. Par sa forte concentration en vitamine B, la Power Malt est une boisson qui nous fournit de l'énergie et de l'endurance. Je conseille la Power Malt à tous ceux qui, comme moi, sont à la recherche du tonus, de la vitalité et de l'énergie. Merci. Donc c'était prévu qu'à l'entrée, si vous achetez une Power Malt... Si vous achetez trois Power Malt, vous avez droit à un stylo brandé Power Malt et un ticket pour le tirage au sort. Bien. Alors, nous allons choisir dans la salle une main innocente. Il n'y a pas les enfants.
jolie. Tu es vieux, tu es là bourré de démons. Il y avait un bébé là. Mon petit, viens, Joga. Tu mérites. Voilà pourquoi être noctambule, c'est bien. Voilà. Comment tu t'appelles? Anderson. Anderson. Ce prénom Anderson. Tu fais quelle classe, Anderson? Classe 1A. Classe 1, il est anglophone. Faudé, non? Continue, non? Pose les questions. Comme c'est facile, là. Anderson? Anderson? Oui. Voilà. Tu vas tremper la main. Tu me balances d'abord. Est-ce que vous n'avez pas compris? En anglais, c'est facile. Tu avais payé mon école. En anglais. Si on mettait rien à propos de ticket en anglais, il veut avoir personne dans la salle. Tiens un ticket. Prends un. Take one. Voilà. The number is. C'est pas son niveau. C'est quel numéro? 00 1467. Franchement, ils ont pris les tickets, ils sont partis avec. Bam! Il est là. 00 1467. C'est ça? 00 1467, voilà. Il gagne quoi? Gagne un ballon malade et sans prier. Avec un ballon de basket, pas mal. Good. Prends. 00 3 0 103. Ah! 00, c'était 3 0. 103. Voilà. C'est un très grand apprécié pour ce monsieur. Égal quoi? Il gagne un t-shirt Paramal et un parapluie Paramal. Voilà. Voilà. C'est mon ami Agir le ballon. Grand, grand. Chassez-moi au travail. Grand, chassez-moi au travail. Coupez sur mon argent. C'est une relation. Tu crois que quelqu'un m'a travaillé à poissonner, la famille mange les mitacola. Tu as la vie, ça n'a pas payé. Prends, prends, mon petit. 00 1486. 1486. Venez, madame. Elle gagne quoi? Elle gagne un t-shirt Power Malt et un parasol Power Malt. Non, 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 petit, laisse. Voilà. Choisis tout ce qui te plaît. Tu prends un. Prends la casquette. Ah, mais tu es français, hein? Take the cap. The cap. Ah, écoute, prends l'anglais. Oh, oh. Les anglophones sont honnêtes. Prends pour toi ça. Prends pour toi ça. Viens, viens, viens. Ça va, non, mon petit? Et là, Rémi, l'enfant sait même comment. C'est un enfant honnête. C'est un enfant qui a la crainte de Dieu apprécié pour lui. Merci, Papa Mal. Ceux qui ont des tickets, venez chercher les lots. Parce qu'on a dit, ceux qui ont deux tickets, vous balancez les tickets, vous venez prendre. Ça ne marche pas avec nous. Vos deux tickets doivent être identiques. Elle a le 0. 1483, 0 1482. Elle a acheté les deux au même moment, c'est bon. Remettez-le à cette dame. Comme vous croyez que vous êtes trop sage. Lui aussi, il a 69 et 70. 70, 69. Ah oui, oui, c'est ça. Doucement, on va gérer. L'autre coup, il vient monter ici. Tu crois que tu veux monter, que tu es trop beau. Tu seras géré en dernière position.
Comme vous croyez que 11, 12, c'est possible. Non, c'est faux. Vous croyez que vous le faites trop. C'est faux. Continuez, vous venez, je vais vous prendre ici. Continuez, vous venez. Bon, alors fouillez les liens nouveaux du bien. Et trop sage. Vous réfléchissez, les autres réfléchissent. C'était bon, merci. Il vient me dire à l'oreille qu'il est mon collègue. Et puis quoi? Il y a les collègues ici. Collègue, ça a la télé, boum. Je dois être honnête devant le public. Mon collègue, je peux encore jongler, je te offre un lot. Mon collègue, prends un t-shirt. Un t-shirt pour mon collègue. Là-bas, on comprend que ce n'était pas le jeu, c'était le favoritisme. Mais venir avec les tickets pour me corrompre publiquement, ce n'est pas beau. Mon collègue, où tu travailles dans quel service oh? Oh. Toi, TV Plus, Free Africa. Bon, c'est votre, ma chérie, c'est ton droit absolu, hein. Tu n'es pas obligé. C'est comme sur Facebook, quand tu fais une publication, il y en a qui commandent, d'autres qui mettent les j'aime, d'autres qui passent même sans voir. C'est le droit absolu. Tu ne vas pas imposer ton rythme de vie. C'est comme dans la salle, il y en a qui sont assis à 5000 personnes seules, 5000 couples, 3000 personnes seules et qui donnent de l'argent. C'est comme ça. Tu crois que comme tu es assis là, tu es trop grande. Tu es grande chez les petits. Va chez les grands. Tu vas voir que tu es vigile. Tu es là même, tu parles, les femmes bavardent même tout. C'est toi qui payes. Voilà le gars à côté, il a que mal. Il a mal, il dit qu'à l'heure, c'est de dormir. La sorcière, c'est dehors. À la maison, tu vas entendre les posters. Prends que la fourchette. Prends que la cuillère. C'est la vengeance de ces mêmes. Bon, bon, ne blague pas. Hein? Mange même 30 bitacola. Pas un bitacola qui arrive. Hein? Parce que celui qui arrive, c'est le bitacola. Mais lui, c'est un bitacola mélangé. Elles sont pas applaudies pour un bitacola. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que toi la merci est là ce soir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous. Alléluia. Que la pauvreté ne soit jamais vôtre au nom de Jésus. J'ai mal parlé. Quand tu es pauvre, tu n'es pas loin de la folie. À la réunion familiale, un enfant qui n'a pas réussi, quand il prend la parole, on dit « Assois-toi là-bas ». J'ai mal parlé. Avant, j'adhérais, genre où on nous faisait toujours comprendre « Oh, l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est faux. Depuis que j'ai touché 300 000 que c'est ma part, aujourd'hui j'ai confirmé que l'argent donne le pouls. L'argent donne la majorité. L'argent t'impose un comportement. Quand tu as ton argent, tu as ton argent. Tel qu'en soit, ce qu'on va dire autour là. La personne qui parle n'est pas fait pour lui, là, ça n'a pas d'argent. Oh. Vous croyez que Dieu est fou? Avant, j'étais laid. Avant, j'étais. Même les lunettes, si c'est pour améliorer les conditions. Ce n'est pas encore tout parti. Ça reste encore un peu, mais le peu là va partir au nom de Jésus. Population, ce qui me plaît, c'est que moi que vous voyez devant vous, si je vous dis par exemple que j'ai fait l'Europe, vous allez accepter les ennemis du progrès. Non? J'ai fait l'Europe, même si c'est dans mes rêves, l'Europe c'est les... Même si je m'en accepte seulement, vous me connaissez où? Vous et moi marchons ensemble. J'ai fait les... Quand j'arrive en Europe, je me rends compte que la folie en Europe et la folie d'ici, c'est deux folies bien différentes.
En Europe, quand tu vois un blanc qui est fou, il peut être conducteur de métro. C'est son médecin qui l'appelle. Mike, est-ce que tu as pris ton calmement? Tu peux voir un blanc qui est fou en Europe. Tu causes avec lui, il te renseigne. Mais il est fou. Il n'y a que lui et son médecin et sa famille qui connaît que non, ou le type ici, là, sa carte mémoire, elle est pro. J'ai mal parlé. En Afrique, au Cameroun, quand tu vois un fou qui vient, toi-même, tu es en train d'avancer du même côté. Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit que changer de côté de route? Ne changez pas alors, tu vas confirmer. Population, pour vous dire la vraie vérité, voilà les médecins blancs qui ont loué une maison à Bonapriso. C'était pour faire les recherches sur notre degré de folie ici en Afrique. On a demandé quel est le village au Cameroun où il y a plus de fous. S'il vous plaît, aidez-moi. Entendez-vous? Je n'ai pas assez de temps. Entendez-vous? La personne qui tente encore de dire Bouddha, on le rembourse sort. Personne de vous ne m'a aidé à crier le stress. Hein? Ici, c'est moi qui dé. Donc tu. Oh, je vais répéter. Alléluia. Le président des présidents. Population, avant, quand on donnait l'argent comme ça, j'ai voulu imiter Petit Pays un jour. L'argent tombe, le grand frère laisse lui. Je suis aussi allé quelque part, c'est tombé, j'ai aussi les... Mais je n'avais pas mesuré le quartier, c'était à Bilongue. Voilà un grand frère qui voit les biens de Tente, les biens de Fafa. Il a improvisé. Tapez les mains très fort pour le gars de Bilongue, s'il vous plaît. Vous savez ce que le gars a fait? Avec un bien de 500 en main, dans ma tête, il disait que, ouais, Seigneur, pourquoi tu peux créer un beau gars comme ça, tu le rends handicapé? Sans savoir que le gars avait les pros, il avait le chingom en bas du pied. Quand le gars est arrivé devant moi, il a dit, je n'ai rien. C'est tout ce que j'ai pour t'encourager. Même les filles ne font rien, tu vas aller départ. C'est quand il est parti que j'ai constaté le dégât. Depuis longtemps, mon argent tombe, je recule. C'est la sueur de mon front, je n'aime pas voler. Population, on a demandé quel est le village au Cameroun où il y a plus de fous. On a dit Batibo et Bafam. Ici, c'est moi qui commande à l'heure-ci. On a dit Batibo et Bafam. Ils ont demandé un chauffeur professionnel, bus 70 places. On a dit au chauffeur, si tu réussis à nous ramener 70 fous, tu as 1 million que c'est ta part. Quand le chauffeur a entendu 1 million, il n'avait jamais économisé 100 000. Ou le gars a utilisé quel remède? Il est allé à Batibo charger le fou. Il s'est arrêté à Bafan, il a complété le reste. Population, le voilà au volant avec le fou. Il arrive à Melon. Il mange et ne donne pas pour le fou. Les gars se sont fâchés, sont sortis un à... Entre temps, il y a 1 million qui l'attend à Douala. Quand il finit de manger, il revient, le bus est vide. En tant qu'un bon Camerounais, il n'a pas réfléchi de midi à 14. Douala 600, Douala 600. Douala pressé 600, Douala pressé 600. Même celui qui n'avait pas le projet de voyager entré dans le bus. Population, même celui qui n'avait pas de projet de voyager entré dans le... Arrivé à Bekoko, il regarde à travers le rétroviseur. Il dit, cher fidèle passager, à l'occasion de l'anniversaire de notre agence, je veux déposer chacun de vous à sa destinée. On t'a porté Melon, Douala 600. Tu habites Bilongue. On va aller te déposer, tu ne réfléchis pas. C'est la bénédiction que vous voulez entendre. Oh, mon fils, que l'argent entre toujours dans ta poche, que ça ne soit jamais. Il était au volant. Amen, oh. Amen. Amen, oh. Amen, oh. Mon fils, que l'accident ne te voit jamais au nom de Jésus. Amen, oh.
Amen. Mon fils, que l'argent ne soit jamais dans ta poche, que ça rentre seulement. Amen. Amen. Arrivé au rond-point, il dit, vous allez devoir me permettre, on doit passer dans nos locaux à Bonaprizo. Je vais déposer certains documents. Mon fils, il n'y a pas les problèmes. Arrivé à Bonaprizo, vous connaissez ce qui s'est passé? Il a klaxonné, pipip, on a ouvert le portail. Il a entré la gare. Il est allé dire au docteur que docteur, don't bring them. Nandem dal for up. On a donné ses 1 million. Il est sorti par la porte de nez. Les passagers sont impatients, ils ne voient pas le chauffeur. Ils sont plutôt surpris de voir le médecin blanc habillé en blouse blanche. Vous connaissez ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui était assis à la cabine. Qui commence? Monsieur, écoutez, je n'aime pas les mecs qui veulent montrer de la merde. Je suis avocat au barreau du Cameroun. On a seulement écrit malade mental, avocat au barreau du Cameroun. Il y a un autre père qui était derrière. Qui a commencé à dire, ah, c'est, yes, 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 c'est mon légume qui a haut la pourri. Vous allez me porter sur votre. On a écrit malade mental et c'est ça, un petit corps. Il y a un autre père qui a commencé, merde, ce n'est pas les affaires que j'entends que vous faites aux gens ici de haut là. D'abord même, remboursez-moi mes 600. On a vu la manière que le père là s'agitait trop. On l'a arrêté, on a injecté un produit. Il devait dormir pendant 3. Alléluia. Entre temps, on a fouillé sa poche. On a retiré son téléphone. On est entré dans le répertoire. On a vu Madoudou. On a appelé le numéro. Madame, vous reconnaissez ce numéro? Oui, c'est le numéro de mon mari. Il est devenu fou. Trouvez-nous dans notre clinique à Bonapré. La femme arrive, elle. Elle s'assoit au chevet de son mari. Pendant les 3 jours, les pieds sont enchaînés, les mains sont enchaînées. Le produit est en train de faire le travail. Population, tapez la main très fort, s'il vous plaît. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me va tout droit au fond de ma poche. Comme je vous expliquais, le père a dormi pendant 3. Entre-temps, le 4e jour, quand le produit finit sur le père, il fait le pied comme ça, ça enchaîne. Il fait la main comme ça, ça enchaîne. Il ouvre les yeux. Il regarde sa femme. Sa femme le regarde. La femme commence à pleurer. Hey, hey, hey. Dernier. 23 ans de mariage, tu es fou, je ne connais pas. Hein? C'est le père aussi qui commence à appeler. Mani, pendant nos 23 ans de mariage, est-ce que j'ai déjà fait un geste de plat? Population, oh! Le code de procédure pénale condamne ce que vous faites là. Tentative de déstabilisation d'un humoriste en plein numéro. Ne faites plus ça. D'abord, même quand vous me voyez, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui souffre? Mais je prends car tu bosses le modèle. Comme je vous expliquais, c'est le père qui pleure. Mani, pendant nos 23 ans de mariage, est-ce que j'ai déjà fait un geste de plat? La mère dit, explique-moi. Je suis sorti jeudi pour aller à l'enterrement de notre ami Towa, que tu connais là. Arrivé à Melon, on a fini l'enterrer à la forêt où on fait l'autostop là. J'ai cherché le bus. Je n'ai pas moi vu la voie. J'ai suivi Douala 6600, Douala 6600. Je suis entré dans le bus. C'est où la mère a dit, docteur, docteur, venez encore les jeter. Depuis quand mon père doit la mener à 600. Population, rapidement vous sortir. Vous allez m'aider.
on va compter de 1 jusqu'à 1000. Si je dis par exemple, comme vous avez dit, que la fin du monde devait être à 901, on était surpris que ça soit plutôt à 902. On allait conquérir la ville de 3. Mon gâteau que je tenais à même était divisé à 1. Il fallait des nombres de calculs pour que ça soit divisé à 1. On le mangeait avec du saut 6. On aspirait une odeur, c'était le saut 7. Mon ami personnel attendait le mot de ventre, c'est de ça pour la forme de. Le lendemain, toujours le gars mourant, on achetait les habits. Dans l'après-midi, du même jour, l'enterrain, ça n'allait lui au parrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, j'étais et je demeure votre humble serviteur. Bitakula, tout comme vous, c'est mon nom. Merci. Thank you. Merci. Voilà. Ça va? On a même augmenté le degré de climatisation, il y a les gens qui sont tous là avec les gros gros narines. Avec les grosses grosses narines et les gros gros dents. Avec les grosses dents. Bon, si je veux parler le français ici, tu vas entendre que le son. Sérieux. C'est pas parce qu'on est sur un podium, toi et moi on va CV, tu te regardes. Sérieux? C'est pas parce que Dieu a fait que tu as pris le vol pour avoir un peu le don. Sérieux? Non, je te dis sérieux là. On veut tolir le français, tu vas yaker le son. On te guille un stylo, mais guille man. Dicté, tu te gardes. Mood man. Comme le pays s'est gâté que tous les bandits maintenant, c'est eux qu'on voit. Il y a les gars dans la salle qui ont les dos, hein. C'est pas tes jetons que tu sors depuis, tu montres. Oh. Il y a les gars ici que si je colle le nom, tu vas garder tes miettes. Mais bon, comme je n'aime pas ça. Mais l'essentiel dans la vie, c'est la santé, hein. La clinique, le suivi chez le docteur Njomo. Merci, grand frère, pour tout ce que vous faites pour rire à gogo depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. Cette clinique nous soutient. Applaudissez pour cette clinique, s'il vous plaît. La clinique, le suivi. Elle est située à Dakar. Laissez le nom du quartier. Non! Je me laisse. Dakar n'est plus Dakar là. C'est le seul quartier à Douala maintenant que le téléphone tombe, mais on te pousse, on te remet. Je préfère Dakar à Bonanjo. Parce que Bonanjo est bourré de voleurs, délégués de ceci, bandits, délégués de la culture, voleurs, délégués de sport, voleurs. Canada est situé où? C'est à Bona Prison. Il n'y a pas les volets là-bas. Voilà. La clinique, le suivi m'a autorisé de remettre quelques bons pour l'échographie. L'échographie, ça, c'est une valeur de 25 000 francs. Hein. Ouais, même les hommes font l'échographie. C'est que quand on dit échographie, les gars voient directement femme enceinte. Même les hommes. Toi là, tu ouvres tes dents comme la lame, il faut faire l'échographie. Peut-être que tu es debout comme ça, que tu es même dans mort depuis. Il faut faire l'échographie. Il faut qu'on visite tes testicules. Non, Joe, il faut que tu échoues. Voilà un bon. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Avec qui? C'est pas mon mot. Ok. Choupe, madame. Hein? C'est en gars ou c'est ta femme? C'est en gars. Parce que le droit est gâté. Hein? Même dans la salle, il est douce. Mais celle qui est pressée pas, c'est celle qui reste qu'on considère. C'est pas ça? Mais celle qui reste pressée, quoi que tous les deux de la salle, si on va choisir moi seul. Il y a 19 artistes dehors. Ma fille, tu peux faire l'échographie là-bas, hein? Il y a l'âge pour l'échographie, docteur Njomo, même bébé. Ah, c'est possible. Moi, je veux offrir aux gens qui se respectent. Bon, Carlos, toi qui passes 48 heures dans le véhicule, tu conduis. Ah, univers auto. Prends, tu veux faire l'échographie. Tu es dehors tous les jours, tu fais l'échographie pour voir si tu n'es pas malade. Par l'effet de trop donner l'argent, tu peux voir que c'est une maladie. Hein? On appelle ça maladie de donner l'argent. Univers auto, appelez-le pour ce monsieur. Hein? Quand Jacob a célébré 15 ans de carrière, ce monsieur m'a acheté 50 des Fab Fab Colo. J'ai dit grand, vous êtes d'eau, je suis ma sans colo là-bas.
Prends. Linda Tegep, la seule fille qui travaille pour la rédaction centrale de Canal 2. Elle est monteur à la rédaction centrale de Canal 2. Elle s'appelle Linda Tegep. Applaudissez pour elle. C'est la télévision des jeunes. Linda, prends deux. S'il veut, il se fâche. Que c'est la télé. On a fait. Prends-toi. Oh, mon ami de l'infographie. Aujourd'hui, j'ai décidé. Hein, je fais plaisir d'abord à mes collègues. Ma chérie, laisse. Prends. Tu as payé Fab Colo, mais tu m'as gavé 25 Colo. Prends. Ma chérie, qui t'a mis des risques? Qui t'a demandé? Il y a une place devant pour ma petite là. Elle ne voit même pas. Kimbo a tout pris devant. Kimbo. Madame, c'est pour vous. Je choisis. Allez-y. Ah, Esama, applaudissez pour ce grand homme. Et là, applaudissez pour ce grand homme. Grâce à ce monsieur, l'émoliment, les martyrs sont respectés dans ce pays. Mais Joe, ton combat est sur derrière toi. Mais c'est manque derrière. J'aime pas le cœur pour dormir à Konengi. Vous voyez, quand tu as le cadeau, on t'appelle tonton. Je suis pour Tanga, non, tu vois. C'est pas Tanga ici. Mon ami personnel, Thierry Carole, est dans la place. Ils sont pas prêts pour Thierry Carole. Les gars, moi-même, j'ai les malades dans ma famille. Bon, c'est maintenant que vous allez comprendre que nous, on n'a rien quand on travaille à la télé, mais on a les relations. Ah, oui, Lélo. C'est Tanga là-bas. Tu c'est ta mère, tu dis que c'est Tanga. Bon, petit chéri, arrête ça à moi. Non, arrête. Ne donne pas à quelqu'un. Arrête. Bon. Ça va, non? Du nouveau à Douala, la clinique le suivi. Vous avez une urgence médicale à domicile. Vous voulez transférer un malade en ville d'un centre de santé à un autre. Vous voulez transférer un malade hors de la ville. Vous voulez un transfert de malade médicalisé avec une bonne assistance médicale durant le transfert. Vous êtes victime d'un accident dans la ville ou hors de la ville. Vous avez besoin d'une couverture médicale lors de vos événements sportifs, religieux, concerts, spectacles, marches sportives, mariages, etc. Une seule adresse vous satisfera. Clinique Le Suivi. La clinique Le Suivi, c'est une ambulance médicalisée disponible 24 heures sur 24. Transfert dans la ville, 10 000 francs CFA. Transfert hors de la ville, facturé au kilomètre. Clinique Le Suivi, située entre le rond-point Dakar et Combi, face Collège Quimi. Téléphone 233 37 17 66 699 93 94 08. Clinique Le Suivi, une nouvelle vision de l'environnement médical. Vous voulez encore les cadeaux? Donne-moi les t-shirts. Univers Auto, je vous offre les t-shirts. Univers Auto, ce monsieur. Voici cette société, Univers Auto, vente des pièces détachées d'origine, camion. Donc, si quelqu'un a le belge qui n'est pas mal. Ça, c'est le manque de respect. Il fallait mettre entre parenthèses petit engin. Comme le belge qui n'est pas mal. Camion, tu es le seul ici de l'engueule, le camion. Je vais vous offrir ce t-shirt au docteur Ndjomo parce que l'ambulance a besoin de pièces détachées. Au docteur Fouena, le meilleur dentiste du Cameroun. Est-ce qu'on va applaudir pour le docteur Fouena? C'est ce monsieur. Quand Yacob a un problème de dents, il gère. Le monsieur là. Il a eu son diplôme à l'université de Crocodile. C'est en Côte d'Ivoire, université Grougouti. C'est pour ça qu'ils sont allés dans le Grougouti. Je dis bonsoir à tous mes collègues. Je vois mes amis Thierry Carole. Ils sont pas prêts pour Thierry Carole. Aimé, oh, la Dream Team de Canal Matin. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Thierry Carole sourit, non? Quelqu'un t'a demandé de venir avec madame? Madame, bonsoir. Vous n'avez pas pitié de mon petit tonton. Là, il faut laisser le tonton là, faire les photos. Ce sont les stars. Je supporte les concepts des humoristes. Makou, c'est un humoriste camerounais qui a représenté le Cameroun à l'extérieur. Donc, il a valorisé notre pays.
C'est normal qu'on soutienne ce garçon. Alors un petit frère ne peut pas organiser quelque chose comme ça. Et un grand frère est un thème bizarre pour détruire l'enfant. C'est pas bon. Bon, Marcus, je mets comme ça pour toi. Hein. Dès que les deux, tu me vois. Le grand là peut me lancer un mousson que je ne me lève plus. Même le mousson, on m'a rien donné. Le coq que vous voyez là, je suis mort depuis. Donc, je marche comme ça, c'est le vent qui me dirige. Ah, mon ami Willelo, tu es d'accord avec moi? Il faut promouvoir la culture de notre pays. Tu vois, par exemple, Patson, Gâteau, c'est des humoristes, n'est-ce pas? Qui passent sur Riagogo bénévolement. Pourquoi le jour que Riagogo va produire les milliards, on ne les donne pas 100 millions? C'est normal qu'on les donne ça, non? Mais un grand frère va s'asseoir quelque part, il prend les tchotchores, il met, on peut 10 coulous, il t'appelle après, il te donne 20 coulous. Après, il te manque même de respect, alors que tu boules ce jour. Pète, pète. Ça ne marche pas. Marcus! Bonsoir, Marcus! Tu peux dire un mot, Marcus? Marcus est avec nous ce soir! Elles sont pas applaudies pour Marcus! Arrêtez! Tu vois qu'on rit parce que tu es beau? C'est parce que tu es né, mon frère! Tu as vu que tu as déjà vu ça? Marcus! Bon 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 même! Applaudissez pour Massa Yacob. Le gars est chaud! Bon, je ris d'abord parce que le bon exemple commence par soi-même. Avant de vous faire rire, je ris d'abord. Bon 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 même! Vous êtes là? Vous me voyez? Vous êtes à Douala Bercy? C'est rire à gogo? Vous êtes assis? Je suis devant vous? J'ai le micro? Les gens posent les questions bizarres maintenant. À partir de maintenant, j'ai décidé que à question bizarre, réponse. L'autre jour, j'ai croisé un ancien camarade, Mandeng Mamiem. Il me pose la question, Marcus, tu vis? Elle répondit non, je suis mort la semaine passée. Et comme c'est ton père qui m'a tué, je suis venu me venger. Mercredi, je croise ton âme. Il me croise en route, il voit bien que c'est moi. Mais il me pose la question, Marcus, c'est toi? J'ai dit non, c'est toi. La question bizarre, réponse. Bizarre. Je pars me coiffer. J'ai fini de me coiffer à Obama, je suis chaud à mort. Devant le salon, je croise un terminier. Le goguenard me pose la question, Marcus, tu étais chez le coiffeur? J'ai dit non, j'étais chez le menuisier. C'est lui qui m'a raboté la tête comme ça. La question bizarre, réponse. Bizarre. Parfois, tu te retrouves dans une salle pleine comme ça, surtout quand les spectacles de hip-hop. L'impresario sort là-bas. Everybody, est-ce que vous êtes là? Nous, on a envie de répondre non, la salle est vide. Est-ce que vous êtes venu vivre le spectacle? Non, nous sommes là pour regarder la télé. Est-ce que vous êtes venu voir les artistes? Nous sommes là pour voir ta mère. La question bizarre, réponse. Les voisins alors exagèrent. Tu te réveilles chez toi le matin. 6h45, tu es au niveau de la véranda en train de te brosser. Les gens se brossent d'abord bizarrement ici dehors. Le goguenard sort là-bas. Hey, voisin, tu t'es réveillé? Donc non, je somnole encore. Toi-même, tu rêves seulement que tu me vois. Nous deux, nous dormons. La question bizarre, réponse. Bizarre. Hey, le grand frère. Je vois le grand frère connu de tout le monde. Je sais que c'est lui. Je pose la question. Grand frère, c'est vous?
Il me dit non, ce n'est pas moi, c'est Bidoumkouat. À question bizarre, réponse. Bizarre. Tu te réveilles chez toi le matin. Tu sors 7h30, tu vas au travail. Tu passes toute la journée là-bas. Tu rentres le soir à 18h. Dès que tu ouvres la porte, madame t'accueille avec la question. Chérie Coco, c'est le retour. Entre nous, d'après toi, c'est le départ. Bon, maman. Non, mais les temps ont changé. Les temps ont changé jusqu'à... Grand, je ne voulais même pas, mais comme vous insistez. Mon coup, c'est l'argent. Ah non, ce n'est pas l'argent, c'est les cailloux. Je prends pour viser l'oiseau. Frère Chauvin, je vous assure. Mais je vous disais que les temps ont changé. Vous remarquez ma taille, non? Je suis petit de taille comme ça parce que quand nous on grandissait, dès que tu parlais mal à un grand frère, il te cognait. Regardez les résultats. On m'a tellement cogné, mais aujourd'hui tu parles mal à un petit frère. C'est lui qui est le premier à te dire, grand frère, il va te manquer le respect. Tu ne me connais pas bien, on m'appelle le Yorobo. Avant que mon grandissait, on nous apprenait nos langues maternelles à la maison. On grandissait avec, c'est quand tu partais à l'école qu'on t'apprenait le français et l'anglais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tu pars d'abord, tu grandis, on t'apprend le français et l'anglais, tu grandis avec. C'est quand tu es déjà grand qu'on t'apprend que tu es bamléqué, tu es bassa, tu es petit, tu es boulou. Et c'est comme ça que les gens s'embrouillent avec nos langues maternelles. Quelqu'un te dit qu'il s'exprime en bami, il mélange avec le français. Moi que vous voyez là, je suis un bassa. Si je veux m'exprimer en bassa, il n'y aura pas le français dedans. Vous voulez que j'essaye? Bon, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que est-ce qu'il y a le français dedans? Mais parfois tu vois un jeune bassa en ville, il te dit qu'il s'exprime en bassa, voilà ce que ça donne. A ben, rien que l'introduction là est bizarre. A ben, Mboudeto, même porté ou plainte, même veillé à ce que ma condamné ou darda, nous avons une relation. Est-ce que c'est le bassa ça? Quand tu vois alors un frère Douala, il te dit qu'il s'exprime en Douala. On vient de refuser le visa au gars, il voulait voyager. Tu l'entends? À moto. Consulat à Bangimba, visa. Alors que Nende, ancien Bengueter. Nama, le homme Bengueter, concert Sergio Polo, Nandje. Ça, c'est le Douala, ça. Quand tu trouves alors un frère Bamileke, le gars voulait acheter le terrain. On a vendu le même terrain à trois personnes. Il a perdu l'argent. Tu l'entends? Yesh, un kwawop kape gentil, même un peu. Afin ta même terrain, trois personnes. Oh, Ndem Tchabaka, argent de cotisation, boutillé. Wow! Franchement, quand tu vas alors dans le centre, tu trouves un frère petit, il cause avec son propre frère, tu l'entends? Afam, grand frère ou mané, colonel. Petit frère Ouamane, général. Grand cousin Ouamane, colboxeur, entré palais présidentiel. Neveu Ouamane, ministre. Grand cousin Ouamane, général, ministre. Ah, c'est là où son frère lui pose la question. Toi-même Ouamane, Dieu. Il dit quoi Ouamane, Mane, zéro, mais quelqu'un est quelqu'un derrière. Franchement, les temps ont changé jusqu'à... Dernièrement, j'ai assisté à une émission à Canal 2 International. On a invité un papa avec sa fille de 4 ans. On a posé la question au papa, là, monsieur, quand tu avais l'âge de ta fille ici, qu'est-ce qu'on chantait? Le papa là a commencé à chanter. Le Cameroun situé en Afrique, au centre de l'Afrique, au nord de l'Équateur. Il est ouvert sous l'océan Atlantique, le Cameroun, pays au centre de l'Afrique. Le Cameroun, pays d'Afrique, pays de prospérité. Nous t'aimons, nous t'aimerons. Ce beau pays.
Mesdames et messieurs, maintenant on a posé la question à la petite fille. Génération Android, WhatsApp, Facebook, Twitter, selfie. Paola, d'abord les noms bizarres. On est comme on appelle la femme, Camden, Camden. Paola, ça sort d'où? Paola, qu'est-ce que vous vous chantez maintenant? Et la femme d'autrui a commencé à chanter. Tu bois, tu mets, tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu mets, tu ne bois pas, tu mets. Je préfère boire et mourir à paix. 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 Mesdames et messieurs, c'est sur cette note musicale alcoolique d'une petite fille de 4 ans qui nous apprend que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs, que nous vous disons au revoir. Vivement l'éducation est bien. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci, merci, merci. Marcus. Ouais, voilà, merci Marcus. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ceux qui soutiennent la culture et l'humour au Cameroun? Merci Douala, merci. Merci Power Malt, Hygiéniste, merci. Je voudrais dire merci spécial à cette grande dame, s'il vous plaît. C'est pas... Maintenant, c'est pas le Congolais. Hein. Si je ne colle pas ton nom, c'est que tu n'as rien d'où pour moi. Docteur Ndjomo, je dois encore te présenter. Tu soignes les enfants, tu me soignes, tu soignes les voisins, tu soignes... Même le voisin de la ville, le village, tu vas chuter. Hein. Tu es de tous les artistes. Bonsoir, Madame Toa. New Fashion. Il est là, New Fashion. Voilà. Les humoristes sont tunés par New Fashion. Massa Yacob spécialement habillé par Rookie La Classe. Est-ce qu'on peut applaudir pour Rookie La Classe? Prêt à porter situé à Bonapruzo. Carrefour Idimer, Bonamoussa dit Carrefour Maçon. Ne go pas là-bas si tu n'as pas les dojo, c'est la classe. Non, 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 c'est pas les pépites, ma chérie, ferme ta soupape. Ne parle pas, tu n'as pas les dojo, tu peux pas go là-bas. Va t'habiller en couloulou, ce que les blancs ont porté, tu portes. Oh, oh, laissez la faire là. Tentez même pas. C'est la classe là-bas, Joe. Vous savez, Harry Agogo, dès qu'un gars paye 3 000, il peut s'asseoir, il dit ce qu'il veut. Mais ta part ne sort pas à la télé, c'est ce que j'ai dit qui sort à la télé. Oui, laisse. Eh bien, vous encore. Vous, le couple, si. Vous... Oui, Lélo, tu es assis où comme ça? Docteur Fouena, un grand dentiste comme toi, reconnu d'utilité publique, tu vas t'asseoir où? Tu fais quoi? Là, c'est ici. Tu lances ça ici, ta famille dort à la prison pour aujourd'hui. C'est quoi ça? Montre-moi. C'est normal, non? Les gens des couples sont tous les deux. C'est normal. Bon, vous voyez, voilà un bon couple. Montre aussi, je vois. Vous avez un couple normal, ça c'est un couple anormal. Couple, fais bisous. Maintenant que c'est dit, fais bisous là-bas, tu vas voir le vrai bisou. Mon beau, fais bisous. Sauf si c'est ta cousine. Ou c'est Batanga. Voilà. Bon, fais bisous. Yeah. Bon, maintenant, je vais permettre à un invité ou une invitée de rentrer avec un parasol et beaucoup de l'eau hygiéniste. Est-ce qu'on peut applaudir pour hygiéniste? Applaudissez, hygiéniste de cette société, ultra douce, à la aloe vera, 10 serviettes. Ah bon, c'est ce qu'on appelle au quartier les gandus. Maxi sécurisé. Maxi sécurité, 24. Bon, cocorico, manger. Ils ont chassé mon cocorico. Donnez-moi le paquet hygiéniste, s'il vous plaît. Voilà.
ne pose pas de questions, on choisit une dame dans la salle comme ça, par hasard, celle qu'on trouve comme ça, parce que à l'heure ci, c'est l'instinct Jacob. C'est un paquet trop riche. On a à l'intérieur un savon antiseptique. Voilà. Et vous voyez, non? Il ne faut pas que les gens parlent les sabotages après au quartier. Voici maintenant ce que gardent les cocorico. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est ce que l'enfant moto te emballe. Tu jettes. Voici alors pour les cocorico. Parce que moi, j'achète ça souvent. Voici les deux cocorico. Tout ça, on va remettre tout ça à une seule personne. Je te donne, hein. Ton gars a dit qu'il a l'argent, non? Il a emballé sa tête. Il dit qu'il est saoudien, alors que c'est la caverne qui fuit. C'est quand les vents soufflent qu'on voit les fesses de la poule. Celui qui a compris, a compris. On va choisir une dame polie, gentille. On va l'offrir ce paquet. Et on va choisir une autre dame, on va offrir le parasol. Où est le parasol? Voilà. Voilà. Voilà deux paquets. C'est pas, il n'y a pas de combine. C'est maintenant que vous allez voir que Jacob peut aussi avoir le nom tonton. Vous allez entendre maintenant tonton Jacob. Tonton Jacob. Hein? Le côté ciel, même si c'est la mort, ça ne tient pas ici. Les deux paquets vont aller au Shabbat. Le Shabbat! Écoute ce que ma femme dit. Quel est le fruit que le gars qui est là-bas? Il y a pas la lumière là-bas, je vois. Hein? Ouais. Je sais pas. C'est pour me corrompre. J'ai pas besoin, man. Je m'en sors. Donc, regarde tes pépères là. Tu crois que tu parles à un pingouin? Je vais poser juste une petite question. Hein. Une petite question. Hein? Où est située la base de la société Hygiénis? Voilà la question. À Douala, cette base, la direction générale, tout, là on voit le PDG, DG, tout, se situer où? Situation géographique, hein, mais dis pas que c'est à Bonamoussali, où à Bonamoussali? Voilà, voilà la question. 5 minutes. Qui? Qui? Venez madame, c'est sur le podium. Ça se passe sur le podium. Première question, premier lot. Seconde question, second lot. Voilà, salut. Salut. C'est madame Marie-Pierre. Marie-Pierre. Donc ton mari s'appelle Marie-Pierre. Oui, oui. Ok. Madame Marie-Pierre, où est-ce la société Hygiénis? Au garde fou à côté de Brazzaville, en face de Bocon. Au garde fou à côté de Brazzaville, en face de Bocon. Non, prends soin de voir à la télé. Regarde fou à côté de Brazzaville, à côté de Bocon. Regarde la télé. Donc c'est situé au garde fou à côté de Brazzaville. Donc Brazzaville est de ce côté, c'est ici, à côté de Brazzaville. Et... Seigneur Jésus, il y a quand même Brazzaville sur ça. God bless. La question même, c'était même pas, c'était comme ça. Voilà. Pardon? Oui, un bisou. Voilà. C'est important. Maintenant, voici alors. Petit frère, ma mère, encore, la pluie va tuer ma mère. Mets ça là-bas. Hé hé! Bon, la question qui vous donne droit à ce parasol. Citez-moi. Quoi? Le dernier produit. Le dernier produit que la société Hygiénis est en train de commercialiser, donc le dernier produit sur lequel ils accentuent la communication maintenant.
ce qu'elle produit. C'est parasol, hein? Ben, l'émission aussi. Il n'y a personne. S'il n'y a personne, j'offre ça à un de mes collègues, hein? On ne va rien me faire. Il n'y a personne. C'est, oui, mais venez, madame, venez, venez. C'est des, ce sont des questions qui sont réservées aux dames. Voilà. Je veux voir votre face. Si ça ressemble pour quelqu'un. Ah, tu travailles, Jérix. Ça fait quoi? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est madame? Mademoiselle Cynthia. Voilà. Mademoiselle Cynthia. Mademoiselle. Non, le prénom n'est pas bon. Cynthia. Donc elle aime la bagarre. Le dernier produit? Hygiénix Maternité. Vous êtes sûr? C'est ça? C'est ça? Attendez d'abord. Le boss! La femme de la communication, elle est le ballon. Comment? C'est ça? Madame, venez. Merci d'applaudir pour la présence des hygiénistes dans la salle. Mais je doute fort que ce soit ça. Hein. Je pense que c'est un rasoir. C'est un rasoir, non? Je pense que c'est un rasoir. Mais bon, la réponse, ça va dépendre. Hein. Voilà. Bonsoir, Massa Yacob. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir, chers invités du RIA-GOGO. Puisqu'il s'agit ici de la gamme Hygiénix, nous allons parler effectivement de la gamme Hygiénix en disant que madame, effectivement, a trouvé le dernier produit qu'on a mis sur le marché. Il s'agit des serviettes maternité. C'est cette serviette extra large, extra mince et extra souple qui vous permet d'avoir une liberté de mouvement pendant le sommeil, qui permet d'accompagner nos mamans à la maternité, qui vous permet d'effectuer des longs voyages sur de grandes distances et qui permet à nos femmes qui ont un flux très, très, très abondant d'avoir une sécurité maximale. Alors, chers invités du RIA Gogo, avec Hygiénix, la sécurité est maximale. Bonsoir. Merci. Avec Hygiénix, sécurité maximale. Tu parles même ça, mais tu le vois. C'est comme ça que les Camerounais sont, non? La semaine prochaine, il y a encore à Gogo, hein? Viens gagner l'autre. Tu comprends? Voilà. Est-ce bon? C'était bon, non? Why? Les gars parlent souvent, les way, comme ce sont les moonman. Où était la voix? J'ai le micro. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Est-ce que vous avez aimé applaudir très fort, les gars? C'est que moi et Yamo, c'est que oh, les gars qui sont ici là, quand il y a le champ de lumière, s'il y a les gens qui ont les habits kaki, ça devient blanc. Il y a les gars qui ont les chaussures qui rient comme ça, là, ça devient bien. Alors que oh, les gars qui sont là sont des fringues du quartier. Je voudrais que oh, les gars du ghetto, oh, les tingdamas applaudissent très fort pour eux d'abord. Oui, Wanda, c'est ça. Entre temps, tingdama, c'est le meilleur ami de Malo. Malo, c'est le meilleur ami de tingdama. Quand tingdama voyait composer le bac, Malo est gagné la statue de Jésus pour Dios à Jésus, car c'est ma grand. Avec le Dieu là, comme il est en train de go composer là, il a choisi les livres, il a choisi les sacs. Avec, il a dit que quelqu'un te bat, ça va lui mettre une autre devant toi, sa face est sale. Donc, avec, pardonne-le le temps que. Pardonne-le, pardonne-lui. Tu m'envoies à l'école pour voir. C'est la même chose que. On a porté plainte à Tintama. Et Tintama n'a pas eu les deux pour payer l'avocat. C'est Malo qui est au tribunal pour représenter son pote Tintama. Vous jouez le rôle de l'avocat de Tintama. Et vous jouez au criminel le jour-là, non, c'était le fire. Babylon confirmait que mon frère, tu peux riche ou n'y est déjà sans prendre l'avion. Vous doutez de l'affaire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver au tribunal tout de suite et maintenant. Alors on va faire le décompte de 5 jusqu'à 1. On va vous dire très fort dans les mains. On va vous dire dans les mains. Qui m'envoie à l'école Boatman. On va taper fort dans les mains pour accompagner le procès parce que vous êtes charismatique, vous allez jouer le jeu. Vrai ou faux? Vous êtes trop charismatique, appréciez-vous le faire ça. Parce qu'entre temps,
Il y a les gars qui sont ici là, l'heure, c'est les gars où on a que mon frère, depuis qu'on est arrivé, vous ne voyez pas que ça l'heure, c'est que les chirurgiens opèrent. Il y a les gars qui sont dehors, que quand tu passes, le gars fait la chirurgie sur ta poche, tu confirmes que nous opèrent. Levez les 10 000 que tu avais là, c'était pas pour toi, mon gars. Tu confirmes que non, le C que tu avais là, non, c'était pas ton C, voilà. Le gars te fait appliquer le soldat, tu respectes que non. Le coq qui n'a pas lu, c'est le même le pistache, père. Donc, maintenant, on va gérer le jeu en pro. Donc, on va go ensemble, du même côté ci, jusqu'au même côté, jusqu'au côté ci. Donc, même les gars qui sont Jum avec les reconnaissances de dette, je reconnais Jum. Avec le crédit pour nier la gogo. Il n'y a pas de problème à progresser, vous êtes les mêmes gens. Oui, alors les gars. Voilà, propre. Alors, dès qu'il dit 1, 2, 3, tout le monde commence le décompte de 5 jusqu'à 1, on applaudit fort. On est là pour le moment. À 5 bouts de main, il ne t'a pas parlé. Moi, je n'aime pas le manque de respect, tu vois, non. Soit tu as confirmé que la pentade a le même goût que la chair du poulet, mais c'est le poulet qu'on égorge chaque jour. Voilà. Par rapport, on y va. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Assez, monsieur le président du tribunal. Avant de commencer ma plaidoirie, je vais d'abord dire un petit mot à l'avocat de l'accusation. Assez, monsieur l'avocat. Mouf. Assez, monsieur le président. Il vient ici, là, il raconte les conneries, il raconte les bêtes, oui. Il dit que mon pancho monte, il descend au quartier, il ne fait rien. Il monte, il descend au quartier, il ne fait rien. Assez, président. Quand tu es bon dans l'autre côté, là, je t'ai levé le matin, tu n'as pas nié ton laptop. C'est toi qui as pris ça à la case, père. Faut respecter les voix des gens, hein. Tento, c'est une victime. Tento est victime de son bon cœur, tu as non. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Ça fait 3 semaines. Il était 23h30. Je n'ai l'heure là parce que c'est à l'heure là que les gosses ont fait mes balades au quartier. Tinto dormait sur son matelas. Il s'est levé à 23h parce qu'il voulait gérer sa passion. Parce que Tinto, c'est un passionné. Il y a moi regarder les étoiles. C'est un astrologue. Tu as l'enfer. Tento se lève, alors le gars waka easy. Kounya, kounya, kounya. Parce qu'il ne veut pas réveiller les gars qui sont dans la même piole que lui. Quand Tento arrive dehors, le gars est fatalement bousculé. Il est moralement atteint. Parce que ce qu'il voit là n'est pas normal. Il y a la porte du voisin fermée, Mola. Assez, monsieur le président du tribunal. Tento connaît bien ses voisins. Relation de bon voisinage. Il n'a que le voisin n'a pas de ventilateur. Il n'a pas de climatiseur. Les fenêtres du voisin ne dorment jamais open parce qu'il y a les moustiques dans le secteur. Quand Tento voit la porte ouverte, il panique. Non, Mola. Entre temps, la porte s'y est fermée. Les gars qui sont dedans là peuvent être morts étouffés, Mola. Parce que Tento a le sens de la relation de bon voisinage. Non-assistance à personne en danger, ça condamne. Tento a eu l'onction du super-héros, tu as leur plaisir. Tento a fait 1, 2, 3, 4, 4 de système tchaka propre, il a choisi un tournevis. Quand Tento choisit le tournevis, il force la porte du voisin. Il force pour les laisser Jum lèvre. C'est quand Tento Jum dans le salon du voisin que Tento est abattu, plaisir. Tento voit dans un angle de la salle, le gars est dans le noir, un écran téléviseur, 52 pouces, écran plasma, couché dans le noir, Tento a commencé à pleurer, Mola. Tento a pleuré. Tento pleure cassé, mon frère. Comment le monde est ingrat comme ça, père? Avec all le divertissement que et la voisine d'à côté, et la chacala, et tous les ouais que Tento choue aux gens de la piole, si les gars l'abandonnent dans un salon noir, sans lumière, à l'abri des moustiques, père. Les gens de moustiques qui sont même pas charismatiques, Tento a eu mal, président. Tu peux rester insensible face aux pleurs d'un enfant qui est handicapé, qui souffre. Tento restait comme ça, il a dit non, mon frère.
quand la malchance te surnomme, la chèvre peut te mordre. Quand tes toits tournent son dos qu'il est en train de partir, la télé a commencé à chanter. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien, ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. C'est là que tes toits disent que non, voilà. Lorsque tu es la moyenne mal au cœur parce que tu es seul, manque de temps pour voir qu'avec un enfant que tu ne connais pas, il faut l'accord parental. Tu as non, voilà. Moi, je ne peux pas te choquer, go avec toi. À Saint-Mola, dans la carte où tu supportes le matin, avec quelqu'un qui conseille à tes propriétaires pour le dire que non, alala non, tu es dans le NDEM. Quand tes pieds se tourner, qu'il fait un, deux pas, c'est là que la télé commence à dire que attends, attends-moi, on se connaît à peine, et j'étais. Les gens qui n'ont pas les vies, c'est des choses là, on va les voir. C'est là que le téléviseur a commencé à dire sa tête, tente-toi du casser, moi là. Non, tu es là, non. Moi, je ne veux pas gérer les connais, moi, je peux faire pas. Quand tente fait un pas, le téléviseur saute, ça a se poser sur la tête de tente. Quand le téléviseur se pose sur la tête de tente, les gens commencent à crier, oh voleur, tente a volé quoi? Mouf. Les gens commencent à sortir, on clique au tento, volant commence à passer à tento, à Saint-Prézi. Tento a mal fait parce qu'il voulait aider un téléviseur qui est dans le noir sur les moustiques. Tento a mal fait parce qu'il a ouvert la porte pour que l'air entre pour sauver les voisins, père. Alors sinon, ma grand, si vous voulez non, condamnez Tento. Condamnez Tento parce que moi, je sais que les amis de Tento vous seront reconnaissants. Non, c'est que chaque dimanche, à partir de 18h, vous faites le sport par ici, là. On sait que ton premier fils, il joue au basket, là-bas au carrefour, à partir de 19h. On ne que là où tu es là, tu sors avec la fille qui coiffe, là-bas au rond-point de l'eau. On ne que tu es là, ta secrétaire enceinte, et ouais, ton mouna et ta galenopa. À Saint-Président. Si tu veux non, content Tento, tu vas gérer le retour. Comme on dit là. Comme on dit dans le code pénal, non, voilà, la balle est dans ton camp. Ce qui est important de savoir, c'est que dans notre vie ici, il y a certains jours que quand eux ils prissent, ils forget certains oui. Surtout les patins, mon frère. Il y a les patins que les gars au Rwanda sont dans un système 4-4-2. Un patin que le gars n'arrive même pas à rationner à la piole, mais quand Sangakou, le gars est le premier à sortir la calculatrice pour calculer la mamie. Voilà. Il y a les gens de Ngakeno, là où les gens ne savent même pas comment on baille l'huile. Mais quand ils voient son gars back avec un gars qui est métoche, Ganga panique, mon frère. En créant ce qui est là, c'est que all les gars qui Hamburg doivent sortir de leur concept. All les patins qui Hamburg doivent sortir de leur cuisine. C'est pour ça que nous, parce que les gars sont prêts à accueillir Dynastie le Tigre dans la salle. Dynastie le Tigre, c'est vos ovations, s'il vous plaît. C'est mon oncle. Malgré tes défauts, les gars n'applaudissent pas vos noirs.